Face, toi. Bah moi je vous entends, il y a des très belles valeurs dans tout ce que vous avez dit. Déjà son choix. Mais oui, c'est pas une surprise, c'est, pour moi c'est Luffy. C'est celui qui pour moi véhicule. Oh là 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 là, l'épisode. Pour moi c'est celui qui véhicule les toutes les valeurs en tout cas. C'est le chapeau de Tom Sawyer, hein. On l'a vu. Respect Luffy, frère. Mais c'est celui qui pour moi véhicule toutes les valeurs et principes auxquels moi je m'identifie et auxquels je pense beaucoup s'identifient parce que on découvre Luffy, c'est une brindille, il est galbé comme un brin d'herbe. Et il va juste faire une promesse comme quoi il va devenir le seigneur des pirates. Et la première valeur qu'il véhicule, c'est le dépassement de soi. Mm-hmm. Tu vois, parce qu'à chaque arc, il souffre. Franchement, je crois que c'est l'un des personnages qui souffre le plus. Parce qu'à chaque arc, il est poussé dans ses retranchements. Et on va le voir évoluer, dépasser ses limites. Et arriver à chaque fois à faire un gap et faire un level up. Ensuite, il y a une valeur que j'aime beaucoup, c'est ce fait de rassembler autour d'un objectif commun. Et surtout, il arrive à mettre en valeur l'entraide. C'est-à-dire que, okay, il y a un bateau, mais pour qu'il fonctionne et qu'il avance, et bah, chacun a son job. Et c'est comme ça qu'on va avancer, tu vois, vers cet objectif-là. Parce que chacun, lui, voilà, il veut devenir le roi des pirates. Sanji, il veut aller parcourir All Blue. Zoro, il veut devenir le meilleur épéiste. Mais tu vois, ça se rassemble, leur chemin se rassemble. Mais s'il en manque un, le bateau va pas fonctionner, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, Luffy, il se trouve qu'il a un détachement de ouf de ça, tout. C'est une qualité. Oui, il est pas matérialiste. Sauf quand on fait du mal aux siens. C'est-à-dire qu'il s'en bat les couilles de tout perdre. Non, mais si tu touches aux siens. Touche un membre de ma clique. Et même, quand Garp il lui dit en fait, tu veux connaître qui est ton père? Non, pas spécial. Non, ce détachement-là, tu vois, moi, ce détachement-là, je l'ai compris. Et c'est ça qui est magnifique. C'est avec Usopp, à un moment, il a une embrouille avec Usopp. Et ils discutent. Et c'est quand il dit ouais. Usopp il dit ouais, moi j'ai une info sur le One Piece. Et il dit écoute, je m'en bats les couilles. Il dit moi si l'aventure je la vis pas. Il a même pas dit doucement, tais-toi. J'arrête d'être pirate. Je m'en bats les couilles, j'arrête d'être pirate. Ce qui est important pour moi c'est l'aventure, c'est pas ce qu'on va trouver. C'est le chemin. Ça, c'est juste ouf ce chemin, détachement. Oui. Comme Kyo. Non. Donc je te disais, voilà, le dépassement de soi, l'entraide, il y a la tolérance. Tu vois, son équipage il est constitué de toutes les races, entre guillemets, tu vois, il y a toutes les races, effectivement. Toutes les races qui sont représentées à travers son équipage. Oh, tu t'appelles oui, parce que Jimbe, t'appelles pas trop Jimbe. Jimbe, il a donné son sang, c'est important, ça c'est une image de ouf. C'est une image de ouf. Voilà, t'as tout ce qui est tolérance par rapport au sujet du racisme, qui est juste ouf, je trouve, c'est super bien, magnifiquement abordé. Dans le fils, c'est comme pour Naruto, c'est quelqu'un qui te pardonne. Il se bat contre Crocodile et après il se bat contre Crocodile. Et parce que tout à l'heure Pierre il disait il s'est cassé des membres Midoriya. Il se bat contre Crocodile avec son sang. Ouais. C'est important. Non, même tu parlais de l'embrouille avec Usopp, il se rabiboche après, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui pardonne et non, qui s'est pardonné, qui s'est sacrifié. Pour Sanji sur l'arc Whole Cake Island, tu vois, il est prêt à faire la grève de la faim jusqu'à ce qu'il revienne dans l'équipage. C'est juste extraordinaire. Et quand on connaît l'importance de la nourriture pour Luffy, c'est juste ouf. Et il y a un autre truc qui est comment je pourrais appeler ça, l'engagement, l'exemplarité, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à te dire de faire ci ou de faire ça, mais qui sont pas exemplaires, tu vois. Et ça, c'est un truc pour moi qui est important. Il est même involontaire. C'est dans sa personnalité, il sauve des îles entières. Mais il veut même pas l'entendre. Il s'en fout de la gloire. C'est pour ça qu'on lui dit ouais, tu vas être un héros. Il dit non, je veux pas être un héros. Le héros, en fait, il partage la viande. Moi, je veux pas partager la viande. Ouais, je veux pas être quelqu'un de connu. Non, mais ce truc-là d'engagement, tu peux même le métaphoriser par exemple avec ce qui se passe. Tu vois, là, on est entre guillemets en guerre. Mais souvent, tu sais, c'est les dirigeants qui vont envoyer des gens à la guerre pour se massacrer, des gens qui se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais se font pas la guerre, tu vois. Alors que lui, dès qu'il y a Dra, c'est lui qui va aller en premier, tu vois. Il va foncer tête baissée. Comme Maximus. Mmh. Il va foncer tête baissée, il va montrer l'exemple. Ok, c'est ses chemins à suivre. Donc forcément, il a cette crédibilité de leadership. Alors que nous, les soldats, je parle en général, ça va au front pour se massacrer au profit de gens qui se connaissent même des fois et qui se font pas la guerre, tu vois ce que je veux dire. Donc ce truc là c'est voilà, toutes ces valeurs là moi c'est, je pouvais que choisir Luffy parce que c'est ouf ce qui est abordé dans One Piece. Donc voilà pour mon choix la team.